Salut Khalid Bazi. Khalid Bazi pour ceux qui n'arrivent pas à dire la jota espagnole. Depuis que je suis gamin, depuis que j'ai commencé à la batterie, donc depuis l'âge de 12-13 piges, moi je suis originaire de Dunkerque en fait, et il y avait un gars qui faisait tous les ans sur la plage un rassemblement avec 25 batteurs. Et j'ai toujours été frappé par le fait que, parce que c'est toujours une question que je me suis posée, mais je me suis dit, est-ce qu'on pourrait mettre 25 guitaristes, 25 bassistes ou voilà. Ça marche, en fait, si tu veux, ce qui me fascine dans la batterie, au-delà de l'instrument qui est quand même assez sympa et assez massif, assez stable, tu vois, on dirait, enfin, pour moi, la batterie, c'est vraiment le chêne, quoi. Sur une scène, quand tu vois une batterie, t'as quelque chose de l'ordre de l'arbre, tu vois, qui même s'il y a du vent, même si ça bouge, il est posé, il est là. Et si tu veux, cette histoire de rythmique, qui est universel, qui est valable dans tous les pays du monde, et comme j'ai été batteur très tôt, et que j'ai eu la chance de voyager très jeune et très tôt, alors d'abord avec mes parents au Maroc, en Afrique du Nord, en Espagne, etc., et puis ensuite à Madagascar, ou dans certains pays d'Afrique, d'Amérique latine, etc., la rythmique, si tu veux, a toujours été un vecteur de lien incroyable, en fait. Donc que ce soit au Brésil avec les Batucada, que ce soit au Maroc avec les Gnawa ou avec dans les mariages les Bendir, etc. À Madagascar, n'en parlant même pas, la Réunion, enfin tu vois, tout ce qui était Salègue, etc. Et en fait le rythme, parce que même en Europe il y a une grosse culture du rythme, en fait c'est juste qu'on l'a un peu oublié. Mais et si tu veux, pourquoi la batterie? C'est simplement parce que au-delà du fait que j'adore cet instrument, je pense qu'il y a quelque chose de réellement universel et qui est commune à toutes les cultures, et depuis 90 000 ans en fait. Donc je pense que c'était l'un des premiers modes de communication chez l'homme en fait. Et que de temps en temps, peut-être revenir un peu à ce côté un petit peu primaire, dans le sens noble du terme, ça veut dire parler aux gens simplement. Quand je dis primaire, c'est plus dans ce sens-là, parler vraiment simplement aux gens. Je pense que c'est le meilleur moyen de toucher le cœur des gens pour sensibiliser sur une grande cause qui, pour moi, aujourd'hui, est importante, c'est la paix, quoi. Ça veut dire vraiment aujourd'hui, je pense qu'il est urgent aujourd'hui de défendre des valeurs pacifistes. L'objectif principal de l'action, 1000 batteurs pour la paix, au départ c'était pas ça, hein. Au départ c'était vraiment juste se rassembler, faire un rassemblement simple et faire un hommage à tous ceux qui se battent tous les jours pour la paix en fait, voilà, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais en fait, depuis un an et demi, depuis deux ans, avec toutes les nouvelles personnes qui viennent dans le projet, si tu veux, le projet s'est structuré. Donc on a fini par en faire un concept audiovisuel, donc ce qui va se traduire par un prime time. Là pour l'instant on est pour parler avec France Télévisions par exemple, voilà, je vais dire carrément le nom, mais voilà. Et l'idée c'est que avant d'arriver à ce prime time, c'est d'avoir une articulation avec une émission de flux. Avec ce bus pour la paix en fait. Donc tout ça en réalité est chapeauté par une fondation qu'on va mettre en réflexion et qu'on va mettre sur un fonctionnement qui est complètement différent des fondations classiques. Ça veut dire que d'habitude une fondation c'est un milliardaire qui a de la thune et qui dit ben voilà, j'ai 2 millions d'euros, ben je vais monter une fondation et puis ça, voilà, on fait de l'accès à la culture, on va monter des puits, on fait, voilà, tu vois. Donc ça c'est une chose. Nous, cette fondation là on va prendre complètement le chemin inverse. Ça veut dire qu'en fait ce bus il ira dans une soixantaine d'endroits pour aller recruter les 1000 batteurs, et derrière en fait on va mettre à disposition un livre pour la paix. Et tous les travailleurs sociaux, toutes les personnes qui bossent à œuvrer tous les jours sur de la création de liens sociaux pourront y consigner leurs idées, à un niveau très local. Voilà, aujourd'hui, nous, dans notre quartier ou dans notre ville, ben, pour que ça aille mieux, on aurait besoin de tel accès à la culture ou tel accès à l'éducation. Et on consigne. Et à la fin, ce livre, en fait, on va le donner à une amie à moi qui est sociologue, qui travaille au CNRS, et qui va en faire un diagnostic. Et ce diagnostic sera la base de notre fondation qu'on inaugurera le jour du prime time.